qu'est-ce que vous faites là? Faut pas m'espionner comme ça. Alors. Yo, t'es bien sur la page de la grande ville du coup. Petite visite du pays. Voilà, je vais vous montrer où c'est que j'en suis. On va faire un petit tour ensemble. Puis à tout de suite. C'est parti, petite visite. Alors, par où commencer? On va commencer par le chemin. Tac, tac, tac. Alors, du coup, ici, comme vous le voyez, j'ai mis un bout de bois pour faire barrière. Voilà. Ici, alors, hop. Donc, j'ai dégagé au sol un maximum de souches, tout le bordel. Là-bas, comme vous le voyez, j'ai fait une barrière. Du coup, comme j'avais fait la cabane en terre paille, dans le même système, en bois tressé. L'espace derrière, pareil. J'ai bien tout dessouché. J'ai enlevé les bouts de ronces partout et tout. Les souches et les ronces, c'est là-bas. Voilà, c'est bien propre. Je suis bien content. J'ai vu les sangliers qui sont revenus par ici un peu. Voilà. Ici pareil, j'ai mis un bout de bois. Et je pense que je ferai la même chose que là. Voilà. Là c'est un gros tas de merde qu'il faudra que j'enlève. Mon super vélo avec ma super remorque de maison. On se débrouille comme on peut. Eh oui. Bon. Du coup par ici, j'ai commencé un peu à ranger ce qu'il y avait par terre et puis j'y ai mis tout au bout. Parce que depuis le chemin communal, on voyait du coup la lumière dans le taillis. Du coup, je suis en train de faire un grand mur. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, il n'y a presque plus rien par terre. Et tout ce qui est là en fait. J'y fous tout au fond. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, je fais un gros mur. Comme on peut le voir. Tac. Voilà. Je le fais aller jusqu'à là-bas. Et comme ça, ça cache le... Parce que le chemin, là, il est à... Je sais pas. À 5-10 mètres. On voit là-bas. Du coup, voilà. Parce que ici, c'est un gros puits de lumière. Là, je pense qu'il est laissé comme ça. C'est un peu jungle. Voilà. Donc, maintenant, on va aller côté espace potager. C'est-à-dire le grande parcelle. C'est le plus grand. Hop. Allez, c'est parti. On va faire ça sans coupure. Comme ça, ce sera plus facile au montage. Ouais, voilà. Ici, j'ai dégagé un petit peu encore. Je dégage un peu au sol. Faut que je dessouche toutes les souches qu'il y a. Voilà. Du coup, je me suis fait un chemin que je n'avais pas avant. Je passais chez le voisin avant, par là. Donc, je me suis fait un chemin vraiment sans parcelle. Voilà, pareil, là, je l'agrandisse. Je vais repasser le camion. Hop. Alors, on se retrouve sur le chemin communal. Du coup, pareil, j'ai fait un chemin pour rentrer sur la grande parcelle. Du coup, le chemin passe là. Il va rejoindre là où je vais faire la mare. Après, il repart. Il fait une bifurcation jusqu'au grand sapin, on va dire. Je vais vous montrer ça. Il faut tout que je nettoie par terre. Parce que du coup, j'ai juste coupé, foutu au sol. Voilà. Tac.
Et du coup, là-bas, le chemin qui part au grand sapin. Et ici, le chemin il part au gros caillou. Voilà, ce sera une pièce maîtresse de la mare, du coup. Donc, nous, on va aller à l'emplacement où il y a le sapin. Qui s'est bien agrandi aussi. Mais qui est pas fini du tout. Voilà. Donc, je galère un peu à marcher, il y en a partout. Voilà. Tac. Du coup ici c'est un gros roncier que je laisse. Du coup là ça fait une grosse bifurcation. Puis après on arrivera directement sur le truc. Par là je compte faire un chemin où derrière il y aura un petit espace potager aussi. On verra ça plus tard. Pour l'instant je vais m'occuper plus près du sapin là où on va. Parce que ce sera l'espace où je veux mettre la serre. Et du coup les mares, une mare et la serre, ce sera les priorités du début. Voilà. On y arrive. Tac. Donc on a dégagé jusqu'à là. Je sais pas si on voit bien. Tac. Du coup, je vais dégager encore un peu derrière le sapin. Je vais dégager encore un peu ce côté-là. Et puis là, je vais continuer un peu là-bas aussi. Voilà, j'ai encore pas mal de taf. Là, il y a tout qui est au sol, sur tout le long, quoi. Tout à ramasser. J'ai récupéré les plus belles pour l'instant pour faire le mur que vous avez vu sur la petite parcelle. Voilà. Donc le terrain, il va à peu près jusqu'à... Je vois pas, à peu près là-bas. Hop. Ah, c'est mon sapin. J'aime beaucoup ce sapin. Hop. Donc là, il y a du boulot pour le nettoyage. Voilà, pareil, le sapin. En gros, je vais vous expliquer ce que font faire. Voilà. Le sapin, donc la serre elle sera juste devant en fait. Puis tous les espaces potagers sur les deux côtés de la serre, un peu plus loin. Hop, bien le soleil. Du coup, le soleil il se lève là. Donc là, 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 puis il se couche là-bas. Voilà, cet hiver il sera. Plus par là-bas, carrément. Voilà, fin de la visite du taillis. Vous avez vu où j'en suis. Bon bah je suis bien content, c'est bien propre, ça commence à prendre forme. Voilà. Bon, moi je vais continuer encore un peu, une heure ou deux. Puis bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Cette fois je sais pas quoi, je sais pas quand, comme d'habitude. Voilà. Bon, allez, peace!